Alors maintenant, j'ai décidé de vous montrer mes petites plantations qui sont sur mon balcon, tout simplement. J'ai trois mini endroits où je peux mettre des plantes. Alors j'en profite évidemment, cette année en tout cas, tout spécialement. Voilà, il y a ma petite réserve de petites herbes. Là maintenant, voilà la suite sur en fait, ce petit balcon que j'ai, mini balcon, où je peux encore mettre des herbes. Et puis mes petites plantations de fleurs. Ça commence à fleurir, comme vous voyez. Il y a un rosier aussi qui va fleurir bientôt. Alors en face chez moi, j'ai un EMS, je pense bien à eux, évidemment. C'est pas facile. Alors voilà encore des petites plantations que j'ai fait ça l'année dernière. Là, il y a des petites marguerites, toutes petites. Là, il y aura bientôt des fleurs. Et là, mon petit rosier qui pousse depuis des années. Qui n'a pas encore des fleurs, mais ça va sûrement pas tarder. Et puis maintenant, là, j'ai la glycine. J'espère que cette année, elle va me donner aussi des belles fleurs. C'est le bon moment. Il faudrait presque que je lui parle, hein. Enfin, on verra. Puis là, il y a un buis. J'adore le buis parce qu'un jour, on m'avait recommandé de faire des tisanes et ça m'a sauvé un petit peu mes reins quand j'avais eu un énorme choc. Avec une recette spéciale, et puis ben, je l'ai fait, et voilà. Et voilà encore un rosier. Là, je voulais dire que j'ai un peu la nature chez moi parce que mon papa était artiste peintre, il s'appelait Roger François Masson, et il m'a laissé ça, beaucoup de petits tableaux où bien sûr j'ai la nature, donc j'ai la verdure. Là, c'est vers l'endroit où j'habitais quand j'étais petite fille. Il y avait des grands champs et tout. Donc, je me promène un peu chaque jour, en fait. Là, maintenant, ce sont des beaux lilas qu'il a peints. Et voilà, en ces mauvais temps, ben, je pense un peu à tout, au passé, à mes ancêtres, à mon métier aussi, qui était d'infirmière. Et au futur, bien sûr, j'espère qu'on va tous y arriver. Voilà, je pense à mes origines parisiennes. Voilà Notre-Dame qui a brûlé il n'y a pas longtemps. Oui, tout se suit, c'est comme ça. Et dans ces mauvais moments, je pense aussi à mes amis disparus. Là, Christine, c'était une infirmière. Elle a travaillé pendant 45 ans, on va dire. Et sans arrêt, presque double temps. Et malheureusement, elle est décédée très jeune, à 62 ans, je crois. Et elle avait commencé à 16 ans déjà dans les hôpitaux. Voilà, je voulais saluer à cette occasion toutes les infirmières, bien sûr. Et tous les soignants et tous ceux qui travaillent actuellement, les vendeurs, les vendeuses, les camionneurs, les balayeurs, les tout. Voilà, tous ceux qui livrent les repas, qui soignent les gens à domicile. J'en oublie sûrement beaucoup. Voilà. Pour continuer la liste, je pense à tous ceux qui ont disparu et à leurs familles, qui sont dans la peine, qui des fois n'ont pas pu assister au dernier moment de leurs proches. Je leur souhaite bon courage. Vous n'y êtes pour rien, c'est comme ça. Actuellement, nous sommes tous un peu changés. Il y aura un avant et après, comme on dit. Et puis, ben, je souhaite beaucoup de bonnes choses à tout le monde, malgré tout. Faites de la bonne cuisine,
manger équilibré le plus possible, trois repas réguliers. Je ne sais pas comment encourager plus les gens. Voilà.